Good morgen, Ale Iden. Nous étudions aujourd'hui Baba Kama Perek Aleph Mishnah Bet et le Tusra le Lunishmat Rivka Batsara et Rachel Batsara. Hayushnaim Rochvin al Gabe Behema. Oshaya echad Rochev ve echad Manhig. Ze Omer Kula Sheli ve Ze Omer Kula Sheli. Ze Ishavash an Loba Pachot Mechetsia. Ve Ze Ishavash an Loba Pachot Mechetsia. Ve Yachaloku. Bizman Shem Modim. Oshayesh Lain Edim. Cholkin belo shvu'am. Explicitement, la Mishnah est une pure répétition de la Mishnah d'hier. D'accord ? Le même principe exprimé d'une manière un petit peu différente. Et justement, la singularité de cette Mishnah est en fait du fait qu'on va parler d'un cas particulier. On va déduire de ce cas plusieurs halakhot qui ont plutôt concerné les lois des kinyanim, comme on va l'expliciter. D'abord, on va commencer par relire la Mishnah et expliciter d'abord les mots qui sont finalement, donc, comme ce qu'on a dit, la même chose que la Mishnah d'hier, le même principe. On parle qu'il y a ici un animal, hier on parlait d'un vêtement, d'un châle. Dans cette Mishnah, on va parler plutôt d'un animal, du Hefker, qui appartient à personne. Il débarque de nulle part, il débarque du désert, un cheval, un chameau, qui débarque, et alors là, deux personnes le voient, et se hâtent chacun de partir le monter, partir chevaucher l'animal pour l'acquérir. L'acquérir, comme on va voir, donc la Mishnah va nous donner des cas particuliers, comment acquérir un animal. Et donc deux personnes vont se retrouver en même temps en train de faire le maase kinyan, l'acte d'acquisition. Chacun va prétendre qu'il était le premier et que l'autre il est venu en route. Ensuite, lui chipper, lui arracher des mains. Et dans le doute, on va les faire jurer, comme hier, qu'ils sont propriétaires au minimum de la moitié de l'animal. Et on fait tout ça dans les mots d'abord. Ayushnaim rochvin al gabe behema. Les deux étaient en train de chevaucher un animal. D'accord, l'irkov. Comme on dit, qui va sous paro verichbo. L'irkov. Rochev. Rochev al sous. L'irkov al sous. Donc c'est chevaucher un animal. Donc, Ayushnaim rochvin al gabe behema. Les deux étaient en train de chevaucher un animal. Oshaya echad rochev ve echad manhig. Ou encore, un était en train de le chevaucher. Et l'autre n'était pas sur le cheval, mais était plutôt en bas du cheval, en train de le diriger, en train de l'attraper l'attraper, de tirer le cheval. Donc, un qui est en train de chevaucher sur l'animal, en attrapant les rênes, et l'autre qui est là, qui attrape une qui est en dessous, et qui attrape la reine et qui continue à le tirer. Et donc là, de nouveau, dans les deux cas de figure, chacun va nous dire comme ça. « Ze omer kula sheli, ve ze omer kula sheli. » L'un dit, elle est entièrement à moi. C'était moi le premier qui l'a. J'étais moi le premier à l'acquérir. Et l'autre dit, non, c'était moi le premier. Toi, t'es venu ensuite me le voler. Donc nous, dans le doute, on ne sait pas à qui donner raison. La Mishnah nous dit, tu sais quoi ?« Ze ishavash en oba pachot mechetsia. » Fais-le jurer à lui qu'il possède au minimum la moitié. Donc, comme hier, en théorie, il devrait jurer que tout lui appartient, mais puisqu'on ne va pas lui donner raison sur tout, alors jure au moins que tu as ce que tu vas recevoir au final, mais sans non plus contredire ce que tu disais, que tu es entièrement propriétaire. Donc, c'est comme ce qu'on expliquait hier, la formulation un petit peu bizarre, elle découle en fait de ces deux axiomes. D'un côté, tu dis que tout est à toi, d'un autre côté, on ne va pas tout te donner. Donc, on te dit, jure que tu es propriétaire d'au minimum la moitié. Et c'est le même principe de nouveau. Et ensuite, une fois que chacun a juré, alors le Dayan, le juge, va veiller locaux, ils vont partager l'animal. Alors là, de nouveau, l'animal, comment ils vont le partager? Ils ne vont pas le tuer, puisqu'ils vont lui faire perdre de sa valeur de manière générale. Tant que c'est un animal qui est encore fort, robuste, on peut faire le laisser en vie pour travailler avec. Et donc, Yachloko, on va évaluer combien il coûte, et on va dire à l'un, est-ce que tu es prêt à payer la moitié, ou tu préfères? On demande aux deux, on va trouver une entente. Est-ce que vous êtes prêt à payer l'un, est-ce que l'un est prêt à payer la moitié pour recevoir l'animal, ou est-ce que vous préférez recevoir l'animal, d'accord? Voilà. Ensuite, la Mishnah nous continue et nous dit, « Bizman shem modim, osheyesh lain edim » Cholkin belo yishvua.
dans le cas où les deux sont d'accord, c'est-à-dire les deux arrivent au Beit Din et nous racontent qu'en réalité chacun a essayé de le saisir indépendamment, tout seul, mais chacun reconnaît que l'autre a acquis en même temps que lui. Alors ils viennent et demandent au Dayan, qu'est-ce qu'on fait ? En réalité, en fait, faut... Bon, on va le dire dans 30 secondes. Non, 2 secondes. Oshayesh l'amine dim, encore qu'il y a des témoins que les deux, chacun de son côté, était sûr qu'il était en train de l'acquérir, mais en réalité, il y a des témoins que chacun a acquis en même temps que l'autre. Alors la Mishnah nous dit, très simple, Cholkin beloshua, on les fera partager sans les faire jurer. Voilà les mots rapportés dans la Mishnah. En réalité, de quoi parle-t-on pour donner un petit peu plus d'allure à cette Mishnah, à la fin de la Mishnah? Alors, c'est la Gemara qui explique. On parle de quoi? Du cas où Bisman Shem Modim. On parle en réalité que chacun est venu saisir l'animal, ou ça s'apporte même sur la partie de la première Mishnah, oui, le cas du châle qui était par terre. Donc, chacun est venu le saisir. Et donc, personne n'avait l'intention de l'acquérir pour l'autre. On aurait pu croire que là, il y a eu une interférence entre les kinanim. Lui, il a voulu le saisir, pendant que l'autre, il a voulu le saisir, mais sans le saisir, avec l'intention de l'acquérir les deux en même temps. On aurait pu croire que pour le moment, l'objet n'appartient à aucun des deux. Et, en fait, il faut faire entrer une tierce personne sur la scène. Quelqu'un d'autre, quand il a vu cette scène, il est venu, il s'est dépêché, il a arraché le vêtement ou bien l'animal, et il a dit, voilà, moi maintenant, je suis tout seul à l'acquérir. Donc en fait, on a une question essentielle. Est-ce que, on va dire, dans la mesure où deux personnes, Reuven et Shimon, font un maasé kinyan, un acte d'acquisition sur un même objet, est-ce que le fait qu'ils se retrouvent tous les deux en lutte fait que, les deux kinyanim s'annulent, chacun, personne ne réussit finalement à acquérir, et de ce fait, c'est la tierce personne qui vient qui réussit à l'acquérir, ou non? D'accord, c'était en fait la question. Et la solution de la Gemara va être de... Bon, il y a beaucoup de l'homdès pour expliquer pourquoi c'est comme ça. Mais en tout cas, la Gemara va répondre qu'effectivement, une personne qu'on va plutôt interpréter que les deux acquièrent, même s'ils avaient l'intention de lutter, dans la mesure où ils ont envie, a posteriori, d'acquérir autant que possible de l'objet. Donc on va en fait faire converger les deux qui l'animent, on va dire qu'il n'y a pas eu d'interférence, mais qu'en fait, ils ont tous les deux acquis ensemble l'objet contre tout le monde, donc il leur appartient. Enfin... Je suppose que ce n'était pas tellement clair. Je préfère pas vraiment pas rallonger dessus parce que ça va me faire passer beaucoup de temps sur en fait un sujet qui touche directement à la Gemara plus que la Mishnah, même si en fait c'est déduit de cette Mishnah. Donc voilà, on va s'arrêter là pour la suite de la Mishnah, la deuxième partie. Un point quand même important à savoir, donc c'était la répétition un peu lourde de la Mishnah qui répétait finalement. Dans la première Mishnah, on apprenait cette même histoire de deux personnes qui acquièrent un châle. Et là, la Mishnah Bet va nous parler maintenant d'un animal. Quel était l'intérêt? En fait, en réalité, il y a un axiome qu'il faut quand même connaître. C'est que, d'abord, de manière beaucoup plus générale, comment acquérir un objet? Maintenant, plus on va passer dans Baba Messiah et dans Baba Batra encore plus, plus on aura l'occasion d'être confronté au problème. On acquiert un objet uniquement lorsqu'on fait un maasé kinyan, un acte d'acquisition. Et il y a des règles bien définies selon les biens mobiliers, immobiliers, les biens mobiliers ensuite, ça, selon les petits objets, les grands objets, un petit stylo par exemple, l'unique moyen de l'acquérir, c'est de lui faire un maasé akba'a, de le soulever. Tandis que quand on a un animal, alors on ne va pas être obligé de le soulever pour l'acquérir. Imaginez qu'on doit soulever un éléphant, c'est un peu dur. Donc, il y a un autre moyen de l'acquérir. Ce sera, en l'occurrence, ce sera par exemple le maasé meshicha, le faire déplacer, ou encore, d'accord, le déplacer, donc l'attraper, par la ficelle, par la laisse, et le tirer, le faire avancer, donc comme ça on pourra l'acquérir. Il y aura des fois où est-ce que finalement on va acquérir, même si uniquement on attrape sans le faire avancer, c'est ce qu'on appellera dans ce cas-là, messira. Et la Gemara déduit, en fait, que cette Mishnah, toute notre Mishnah, est venue répéter la même halakha pour nous apprendre des lois, des kinyanim, la manière d'acquérir des animaux. Il est vrai que dans Kiddushin, il y a marqué qu'on acquiert un animal en lui faisant meshicha ou akba, en le tirant ou en le soulevant. La Mishnah vient ici nous apprendre que rachuv kemehalech
Non, pas en chevaux, que rachouv, le fait de chevaucher un animal, c'est la même chose que si on le faisait, en fait, un maasé meshicha. De quoi on parle quand on chevauche un animal? On ne fait pas forcément avancer l'animal, ça va être président de Bartanora tout de suite. Dès qu'on monte sur le cheval et qu'on le domine, qu'on est prêt maintenant à avancer avec, même si on ne fait pas bouger l'animal, on l'acquiert de cette manière, et même un animal du Efker, pas comme le maasé meshicha, qui est encore un autre mode de Kinyan. D'accord ? Le simple fait de faire cette action, de monter sur l'animal et de lui attraper la laisse, de manière à ce que maintenant, c'est moi qui domine l'animal, par cet acte, on acquiert un animal. Et en fait, c'est là le principe, c'est là ce que notre Mishnah est venu nous apprendre en nous disant « Ayushnaim rochvin al gabe behema » si les deux étaient en train de chevaucher l'animal. Ensuite, le deuxième cas de la Mishnah, qui vient et qui nous dit « Oshaya echad rochev echad manhig » l'un qui chevauchait l'animal et l'autre qui tirait l'animal de par dehors, donc de par en dessous, alors là, on aurait pu croire de nouveau que lorsque ces deux kinyanim fonctionnent, regardez, là, on va faire entrer un petit peu de landes, mais on va quand même rentrer dedans pour l'expliquer. On aurait pu croire que cette fois-ci, il y a une interférence nocive. Il y a ici un problème. C'est-à-dire, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le fait de saisir l'animal et de le dominer qui fait que je l'acquiers. Alors regardez un petit peu le paradoxe. Je suis en train de saisir un animal pour l'acquérir, et il y a quelqu'un qui saisit aussi d'un autre côté l'animal, et qui est en train de le tirer. Donc finalement, je ne suis pas en train de le dominer. Ouais, vous comprenez le problème? Si tout le principe du kinyan, toute la lomdes, comment le kinyan fonctionne, c'est le fait que je saisisse l'animal, et de manière à ce que maintenant c'est moi qui le dirige. Je suis en train de le saisir pour le diriger, il y a quelqu'un de l'autre côté, dehors, en bas, qui est en train lui aussi d'attraper une autre laisse et de le diriger à sa guise. Donc finalement, moi, je suis en train de rien faire. On aurait pu croire que sa présence fait que moi, je ne vaux plus rien. Et inversement aussi. D'accord ? On aurait pu croire que le fait que je saisisse moi, l'animal, fait que maintenant, c'est rien du tout de déplacer un animal s'il y a quelqu'un qui est en train de le chevaucher. Alors là, on aurait pu croire que l'un, qui a une interférence néfaste, négative, où chacun détruit, abîme le kinyan de l'autre, et donc une tierce personne aurait pu venir l'acquérir, et la Mishnah est effectivement venue nous apprendre que les deux kinyanim marchent. Voilà pour la Mishnah. Je vous dis encore un autre détail important qui va être apporté dans Bartanora, mais alors là, c'est une vraie difficulté ce qu'il écrit le Bartanora. D'abord, je vous donne la halakha telle qu'elle est rapportée dans le Bartanora. Le cas où Echad Rochev ve'Echad Manhig, un qui chevauche et l'autre qui dirige avec les lanières, qui dirige par en bas l'animal. Alors là, le Bartanora va nous dire attention, celui qui est sur l'animal, il va être obligé de bouger les talons pour mettre des coups, ouais, pour faire avancer l'animal en fait. Ça ne suffit pas de monter sur l'animal et de l'attraper. Il faut nécessairement lui mettre des coups. Pour illustrer un petit peu l'histoire, on parle que quand il rentre au Beit Din, en train de disputer, et l'un dit hey, c'est moi qui l'ai acquis, l'autre dit non, c'est moi qui l'ai acquis, et il est là devant nous en train de taper des pieds, regardez, là je suis en train de moi de le saisir. Enfin, la difficulté qu'il y a dans Bartanora, elle est que dans la Gemara, c'est effectivement, ça existe, il y a un avis pareil. Le problème, c'est qu'il y a une discussion, et le Bartanora, il est parti un petit peu au marché, et il a expliqué la première partie de la Mishnah selon un avis, la deuxième partie de la Mishnah selon l'autre avis, et donc ça se transforme en grand balagan. Il y a le Tosot Yom Tov ici qui rallonge énormément à poser des questions, et concrètement, il retient qu'il n'y a aucune nécessité de battre des pieds, ça suffit uniquement de l'attraper, et voilà pour la Mishnah. On fait à présent le Bartanora. Ayush Naim Rochvin Al Gabe Behema. Les deux étaient en train de chevaucher l'animal. Kamashmalan, la Mishnah vient nous enseigner des rochev kane, que le fait de chevaucher un animal est un bon acte d'acquisition. Ve'afalpi she'no manehig, même s'il ne déplace pas l'animal. She'eina she'lozaza abehema mivukoma, que l'animal ne bouge pas de sa place. Malgré tout, le simple fait de la saisir fait que l'on acquiert la Mishnah de cette manière, l'animal de cette manière. Ou encore, il en avait un qui l'a chevauché et l'autre qui l'a tiré par en bas. Bizman shirochev menane aberaglav, kere de teizil abema mechamate. Attention, on parle que le rochev, celui qui chevauche l'animal, est en train de menane aberaglav, il fait bouger ses pieds. Qui est écrit de taiser la BMM Khamate, de manière à ce que l'animal se déplace aussi par sa cause.
Ou de Shavim Rochev ou Manig. Dans ce cas précis, les deux, le Rochev, celui qui chevauche, et celui qui tire par en bas l'animal, alors ils sont tous les deux équivalents. Dimnoya Ela Rochev Bilvad, Manehig Kana. Par contre, s'il était uniquement en train de saisir l'animal par en haut, tandis que l'autre, il est en bas, il est en train de diriger l'animal, alors le Bartanoral pense que le Manehig Kana, celui qui dirige l'animal, c'est lui qui l'acquiert. Verochev Lokana, celui qui la chevauche, ne l'acquiert pas. Ça s'explique comme ce qu'on expliquait tout à l'heure. Le principe, il est que acquérir en saisissant l'animal exprime une domination, une shlita, donc d'accord, une domination sur l'animal que c'est toi qui le dirige, et si il y a quelqu'un qui est en train de tirer l'animal à sa guise, donc tu fais rien du tout, t'es un pantin uniquement sur un cheval, t'es pas du tout un cavalier noble. D'accord ? Ensuite, le Bartanora s'apporte en fait sur la suite de la Mishnah, même s'il n'y a pas de Dibor Matril, d'accord ? Ça s'apporte sur la fin de la Mishnah. Veim Hodu. Et si les deux ont reconnu qu'en réalité ils étaient tous les deux en même temps ? O Bawedim Afilo Lachar Shinifsak Adim Aleyem. Ou encore qu'il y a eu des témoins qui sont venus après que le Bet Din a déjà tranché chez Achloko Bijvoa, qu'ils devront partager en jurant, avec serment. Alors dans ce cas-là, Chulkin Melojua, c'est-à-dire le Bartanora explique que la fin de la Mishnah parle en fait qu'ils sont venus tous les deux en train de se disputer l'animal qui l'a acquis. Et le Bet Din a dit, par manque de preuves, on ne savait pas à qui donner raison, on a dit, bah, vous savez quoi, on va appliquer le din de la Mishnah, vous allez partager en jurant. Ensuite, ils étaient sur le point de commencer à prononcer le serment, qu'il y a eu des témoins qui sont venus qui ont dit, mais nous on a vu toute la scène, on a vu, vous étiez tous les deux, chacun était persuadé que c'était lui qui acquérait l'animal, mais en réalité vous êtes venus exactement en même temps. L'un, pendant que l'autre a réussi à monter et saisir l'animal, et a commencé donc, selon le Bartanora, à taper des pieds, l'autre était déjà arrivé et a commencé à lui aussi a tiré, donc tous les deux en même temps vous avez déplacé l'animal. Donc on parle d'un cas pareil, on va dire, ben écoutez, puisqu'on a des témoins, alors les témoins vont annuler toute cette joie, toute la nécessité de jurer, parce qu'on fait jurer, parce qu'on ne sait pas, à partir du moment où on sait à partir de témoins, c'est la meilleure manière d'éclaircir un litige par des témoins, donc on croit les témoins, il n'y a plus aucune nécessité de jurer. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain. Kol tov, c'est là.